Donc je vous rappelle rapidement, cette femme est dans son lit, paralysée. Elle n'a aucune source d'information à part son catéchisme et sa Bible. Hein, nous sommes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle offre sa vie à Dieu. Non seulement elle est résignée, mais elle offre avec amour sa vie. Et la réponse de Jésus est la suivante. Il lui montre une scène de sa passion, puis deux, puis trois, etc. Et vous connaissez la suite, de 43 à 50, puis en moindre mesure dans les années qui ont suivi, elle voit toute la vie de Jésus. Donc de l'enfance de la Sainte Vierge, l'enfance de Jésus, la vie publique, la passion, la résurrection et la construction même de l'Église. Donc en 4800 pages, elle fait très peu de ratures et au miracle, eh bien, les spécialistes de décennie en décennie constatent toujours plus, avec toujours plus de stupeur, que toutes les descriptions qu'elle donne de la Terre Sainte il y a 2000 ans correspondent tout à fait aux réalités, à la fois géographiques, archéologiques. Et donc grâce à cela, nous avons pu, grâce aux détails, eh bien, aller en Terre Sainte. Donc je vais laisser maintenant la parole à Severino, qui nous a emmenés et qui continuera à emmener peut-être des pèlerins ici en Terre Sainte sur les pas de Jésus, d'après Maria Valtorta. Donc Severino qui est... voilà, vous pouvez l'applaudir, merci. Bonjour. Qui est donc père de famille comme moi et qui a une entreprise de transport et qui consacre son temps bénévolement et qui consacrera peut-être toujours plus de temps, semble-t-il, à amener les pèlerins pour suivre donc Jésus. Jésus dit dans l'œuvre, si vous marchez sur mes pas, cela vous apportera du réconfort. Ah, pardon, je t'avale une citation peut-être que tu voulais dire. Tout à fait. Mince, voilà. Voilà, ben on est bien sur la même longueur d'onde. Voilà. Jésus nous encourage dans l'œuvre à aller sur ses pas pour y trouver ce réconfort. Et donc nous y avons été il y a 3 mois, à la suite de Severino. Nous étions une cinquantaine. Et donc on a trouvé effectivement un excellent réconfort. On a retrouvé des endroits. Et je lui laisse la parole pour vous dire un peu tout ça. Merci. Alors j'ai 42 ans, je suis marié depuis 12 ans, et j'ai 2 enfants, Elisa et Josué, 1 an et demi, 3 ans et demi. Et donc on est à la maison, on est tous sur la même longueur d'onde. On a la foi, et on médite l'évangile, et on est allé un peu plus loin, parce qu'on a élargi l'éventail, avec l'éventail des détails et de la profondeur que nous donne la parole de Dieu, à travers l'œuvre de Maria Valtorta que j'ai pour ma part découvert en 2011. Voilà. Avant de connaître Maria Valtorta, je m'étais dit intérieurement pendant une oraison du soir, Seigneur, mais quel cadeau tu me fais en te révélant à moi dans la prière, dans ces moments d'intimité partagée. Tu me combles de joie et ta parole me transporte et me fait vivre auprès de toi. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Je voulais garder pour moi cela, mais je vais vous le témoigner. Je sens que je dois vous le partager. Alors, c'est un peu fou ce que je vais vous dire là, mais j'ai exprimé, avant d'être lecteur de Maria Valtorta, le souhait, pendant une prière, de pouvoir bénéficier du film de la vie du Seigneur. Alors je demandais dans ma prière, Seigneur, pourrais-tu un jour me révéler ton passage parmi les hommes, ton passage parmi nous, je ne sais pas, en rêve, ou me faire défiler le film de ta vie avant mon trépas. Bien entendu, j'étais encore assez jeune, donc je ne voulais pas trépasser de suite. Mais disons que c'était un souhait que j'avais à cœur. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas, au crépuscule de ma vie, pouvoir bénéficier de cette grâce. Alors, je ne sais pas, c'était spontané dans ma prière, comme ça. Un jour, j'ai prié de la sorte. Et voyez-vous quelle drôle de requête, hein. Mais j'y ai trouvé du sens à l'exprimer ainsi au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et voici qu'un beau jour, peut-être 2 ou 3 mois plus tard, j'ai une amie qui s'appelle Stéphanie, qui connaissait mon désir de voyager en Terre Sainte et qui me dit « Mais tu devrais lire Maria Valtorta. » Voilà. Et là, ça a été en quelque sorte pour moi
quelque chose de profond, puisque j'allais découvrir une œuvre magistrale, qui plus est, écrite par un tout petit bout de femme nommée Marivelle Torta, qui, comme vous le savez, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, était donc paralysée. C'est quelqu'un qui était grabataire et qui a eu la vision intégrale, je dirais, de tout ce que le Christ a vécu parmi les hommes. Ses enseignements, vous le savez, vous êtes lecteur, et c'est quelque chose que j'allais vivre intensément. Donc dans les 3 mois, ma prière était déjà entendue par le Seigneur, puisqu'en quelque sorte, il m'introduisait à travers l'œuvre à la vie qu'il avait eue auprès des hommes. Et je dois dire pour moi que quand j'ai commencé à lire l'œuvre, ça a été quelque chose de profond tout de suite. Je me suis tout de suite senti auprès des apôtres à pérégriner en Terre Sainte auprès du Seigneur. Je pense que c'est la sensation qu'on a. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? C'est la sensation qu'on a quand on est lecteur de Marivelle Torta, qu'on médite la parole de Dieu aussi. Parce que pour moi, cette œuvre... Je la qualifie comme un reflet bienveillant des évangiles. C'est une illustration miraculeuse et qui est bénéfique pour la croissance spirituelle du chrétien. En fait, c'est un don, en quelque sorte. Ce que je demande, enfin, ce que je dis toujours aux gens qui lisent Marivelle Torta, je les supplie de ne pas substituer l'œuvre, de ne pas substituer l'évangile pour l'œuvre. Parce que l'évangile, c'est la parole de Dieu. On est invité à méditer l'œuvre qui nous fait entrer un peu plus explicitement dans le mystère que le Seigneur veut nous révéler. Alors ce qu'il faut faire, c'est chercher continuellement à travers l'Évangile à nous réajuster à la personne du Christ qui nous sauve. Et donc pour ça, chers amis, utilisons l'œuvre de Marivelle Torta comme un cadeau, comme un, je dirais, un complément vertueux qui va nous aider à illustrer miraculeusement et avec profondeur la recherche qu'on engage. Pour ma part, cette œuvre, comme je vous l'ai dit, m'a fait aimer davantage l'Évangile et elle m'a rapproché de l'Église. Elle est un don supplémentaire et je pense très sincèrement qu'elle est un fruit de la miséricorde de Dieu. Voilà, elle est donnée à chacun et puis on est libre de l'accueillir ou pas. Il y a des gens qui lisent pas Marivelle Torta et puis bon, ça se passe très bien. Puis il y a d'autres gens qui ont besoin d'aller chercher chez Marivelle Torta des choses un peu plus profondes pour avoir, je dirais, un éventail un peu plus élargi de ce que le Seigneur a voulu nous révéler. Alors merci Seigneur pour ce cadeau qu'il nous fait de pouvoir vivre à ses côtés tous ces enseignements dans les moindres détails, parce que c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe avec Marivelle Torta. Alors n'oublions pas, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, que c'est une révélation privée qui a d'abord vocation d'éclairer, mais ne rajoute en rien à la révélation publique et canonique dont l'Église et la tradition apostolique, 2 fois millénaire, sont les dépositaires. Parfois, j'étais tellement en immersion dans cette œuvre que j'avais l'impression de vivre avec les apôtres. Mais vraiment, j'avais même des senteurs. Au début, je trouvais ça étrange. Je me disais, t'es peut-être un petit peu survolté avec tout ça. Mais je dois dire que c'est vraiment incroyable. Parce que les personnes avec lesquelles j'ai partagé m'ont remarqué la même chose. Ils m'ont dit, mais c'est vrai que c'est très étonnant. J'ai un ami avec qui je suis venu ici aujourd'hui, qui s'appelle Angelo, qui lui a lu l'œuvre, je crois, intégralement 2-3 fois. Et on a eu les mêmes sensations. Les mêmes sensations de proximité avec les apôtres, les mêmes sensations de proximité avec Jésus. Waouh. Ça vous retourne l'esprit. Alors, dans les visions, vous avez remarqué que Marivelle Torta est l'auteur du descriptif. Elle décrit ce qu'elle voit et entend et ce qu'elle ressent avec ses propres mots. Et Jésus lui demande clairement de n'omettre aucun détail, car il les juge importants. Alors ça, c'est très important, parce que si on n'avait pas tous ces détails, aujourd'hui,
qui nous ont permis d'aller vérifier sur certains des lieux ce qu'elle décrit, on n'aurait pas eu des personnes comme Jean-François Lavert pour authentifier scientifiquement tout ce qu'elle a décrit. Donc les détails sont très importants. Parfois, ils sont un peu, non pas fastidieux, mais il y a une foultitude de détails. Parfois, c'est impressionnant, hein, il y a toute une page de détails. Mais aujourd'hui, on sait pourquoi. Sans ces détails, il aurait été compliqué d'aller vérifier sur le lieu, voyez, et de cartographier, et d'avoir une topographie, et puis d'avoir toute une pléiade d'informations qui font qu'aujourd'hui, on peut aller sur le terrain, vérifier ce qui est révélé. Et ça, je peux vous dire que... Bon, moi, je m'y suis collé déjà il y a presque 3 ans, hein, pour préparer ce premier pèlerinage. Et je peux vous dire que moi-même, j'ai été bouleversé à chaque fois. Je me disais, mais bon, c'est un rêve, et peut-être qu'un jour, je pourrais faire partager ce rêve à d'autres personnes qui, comme moi, lisent Maria Valtorta. Alors, ça m'a beaucoup nourri et ça m'a rapproché de l'Église, comme je vous l'ai dit. Vous savez que cette œuvre, elle a été indexée à un certain moment de son histoire pour défaut d'imprimatur. Elle ne l'a jamais été... Et soyez tranquille par rapport à ça, elle ne l'a jamais été pour son contenu, qui reste à ce jour parfaitement conforme aux dogmes et préceptes de notre foi. Et donc le pape Pie XII allait dire « Publiez l'œuvre telle qu'elle ». Faites-le comme ça, publiez-la, et puis ceux qui liront comprendront. Et comme l'a dit Bruno tout à l'heure, mais ceux qui ne liront pas, qu'est-ce qu'on va faire avec les gens qui ne liront pas? Ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais oui, mais on a déjà un évangile. Pourquoi lire Maria Valtorta? On n'en a pas besoin. Mais c'est un don. C'est une grâce. C'est une grâce particulière. Et on est libre de l'accueillir ou pas. Voilà. Ben, ceux qui l'accueillent peuvent approfondir la question du mystère qui nous est révélé, la question du salut. Et donc, ça vient enrichir la foi. Ce n'est jamais pour déposséder quelqu'un et pour nous éloigner de l'Église ou pour nous faire dire ah ben, de toute façon, maintenant j'ai l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, je n'ai plus besoin de mon Évangile. Pas du tout. L'Évangile au quotidien, c'est la vie du chrétien. Et ça peut être accompagné d'une révélation privée comme celle de Maria Valtorta, pourvu que cela porte du fruit. Et des conversions et des fruits, il y en a. Il y en a de plus en plus. Et on va aller dans des temps où on va aller puiser des choses très profondément et où les gens vont trouver un certain épanouissement sur le plan de la foi. Vous voyez? Je vais quand même revenir au sujet principal, hein, pour lequel je vous témoigne. Vous imaginez bien qu'un tel pèlerinage ne s'est pas réalisé en un claquement de doigts. Alors, pour être plus juste avec vous, on est allé sur les pas du Christ conformément à la tradition de l'Église et en conformité aux descriptions de l'œuvre donnée par notre Seigneur à Maria Valtorta. Et bien entendu, comme je l'ai cité tout à l'heure, confirmé par un chercheur et ingénieur de renom, vous le connaissez tous, il s'agit de Jean-François Lavert, que je tiens à saluer, il n'est pas là aujourd'hui, mais je le salue. Tout particulièrement, et je tiens aussi à le remercier, parce que sans lui, ça ne serait pas possible. C'est lui qui a recherché, c'est lui qui est vraiment allé à fond dans la recherche, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des dictionnaires, le dictionnaire géographique de l'Évangile d'après Maria Valtorta, vous le connaissez? Oui. Voilà. Il a aussi écrit le Mystère Valtorta. Très franchement, je vous conseille de le lire parce que c'est saisissant. À la suite de Maria Valtorta, bien entendu, à la suite de l'œuvre. Alors, je voudrais vous témoigner et vous dire que je l'ai dérangé plusieurs fois au téléphone. Combien de fois? Oh là là! Et parfois, on passait 3 heures au téléphone. C'est vous dire que... Et à n'importe quelle heure. Parfois, j'étais en voiture et puis... Je téléphonais à Jean-François, tu sais, Jean-François, on va aller aux Cornes d'Attine, il faudrait me dire s'il y a un chemin sur la route où on peut s'arrêter avec le car,
parce que voilà, ça va être compliqué, on est 50 personnes et puis on aimerait être au plus proche de façon à pouvoir y aller, pouvoir méditer la parole, tout ça. Alors le vrai chercheur, c'est Jean-François, c'est pas nous. Nous, on est allé sur les lieux et on a constaté. Bon, il y a un peu de recherche quand même, mais disons que c'est lui le vrai chercheur. Il a analysé méticuleusement et il a corroboré géographiquement et de façon topographique la plupart des lieux décrits dans l'œuvre. Alors il a pris soin de les répertorier et donc de les commenter. En ce qui me concerne, personnellement, j'ai choisi, si vous voulez, quelques sites, parce qu'on ne peut pas tous les choisir. Vous imaginez qu'avec tout ce qu'il y a là-dedans, il va falloir des années et des années pour pouvoir aller sur tous les lieux décrits. Et ça, très franchement, c'est un travail colossal. Bon. Mais disons que il y a des sites incontournables, comme par exemple le Mont des Béatitudes. Hein, les Béatitudes, c'est un condensé des évangiles d'une richesse insoupçonnée. Et donc, retrouver les lieux où le Seigneur a prononcé les paroles de la vie éternelle, telles qu'il l'a fait dans les Béatitudes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc déjà, rien que les Cordatines, je vous dis, ça vaut déjà le coup d'aller, de partir en pèlerinage sur les pas de Jésus, selon la tradition de l'Église, et selon la description que Maria Valtorta nous donne. Rien qu'avec les Cordatines. Alors, on a des sites complètement exclusifs, comme je vous l'ai dit. Certains des sites, on y est allé, d'autres, aussi décrits dans l'œuvre, rejoignent la tradition de l'Église et sont confirmés par l'archéologie officielle. C'est-à-dire que parfois, on a, par exemple, je vais citer Capharnaüm, qui est le village de pêcheurs, le village de Jésus, hein, comme communément décrit dans les évangiles, parce que le Seigneur prend refuge, hein, en quelque sorte, dans ce village. Et donc, par Capharnaüm, il pérégrine tout autour du lac et puis il évangélise, il recrute ses apôtres, il accomplit des miracles, il dispense la grâce à la population. Et donc, à Capharnaüm, par exemple, la tradition rejoint les descriptions de l'œuvre et vice-versa. Et il y a pas mal de lieux comme ça. Jérusalem, on a, par exemple, tout autour du lac, on a encore d'autres sites comme Magdala, qui aujourd'hui est retrouvé et qui corrobore ce que Maria Valtorta nous dit dans l'œuvre. Donc là, on a l'archéologie, la tradition locale qui rejoint les descriptions qu'en fait Maria Valtorta dans l'œuvre. Alors, imaginez que ce tout petit bout de femme connaît bien les lieux. Sans jamais avoir quitté sa petite chambre de Viareggio. Quelqu'un a déjà été à Viareggio ? Ah, quelques personnes. Vous avez vu la chambre. Elle est toute petite. Il n'y a pas d'Internet non plus. Hein. Encore aujourd'hui, je crois qu'ils ne sont pas très branchés en Internet. Voilà. Donc imaginez dans les années 40. Hein. Je peux vous dire que c'est vraiment une grâce de Dieu parce que, vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous décrire un peu les gorges d'Arbel. Quand on est sur le site et puis qu'on prend la description qu'on fait Maria Valtorta, c'est comme un dessin. C'est incroyable. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que il n'a jamais été question dans un tel périple d'avoir une démarche, je dirais, fétichiste. Pardonnez-moi du terme, mais on n'est pas à chercher le point GPS ultime, bien que parfois, on y est. C'est un peu bizarre ce que je vous dis. Mais on est dans la proximité de toute façon. Quand on est, par exemple, au lac de Tibériade, quand on est tout autour, quand on est à l'endroit du lac, eh ben, on le sait, le Seigneur a été tout autour de ce lac. Il l'a longé dans tous les sens. Il a été partout. Donc quand on est sur ce site, on sent très fortement la présence de Jésus. J'ai quelques pèlerins là qui étaient avec moi au premier voyage. Vous pouvez le confirmer, ça. C'est très saisissant. Comment ? Surtout, au pied de Via, au
Ah, le puits du figuier. C'est le puits du figuier. Oui, oui, oui. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, je crois que l'âme humaine perçoit bien cela. Elle perçoit cette sainteté, ce passage du Seigneur en ces lieux, et elle le perçoit, et c'est salutaire. C'est salutaire lorsque nous sommes en ces lieux si beaux et si remplis de grâce, parce que c'est vraiment le mot, c'est incroyable. On peut imaginer le Seigneur qui emmène ses apôtres au mont des Béatitudes, et puis quand on voit la vue, on se dit « mais il a choisi un lieu paradisiaque ». Pour donner son enseignement. Alors le Seigneur le dit lui-même dans l'œuvre, les pèlerinages aux endroits où j'ai été seront une nécessité de réconfort pour votre esprit. Donc Jésus aux apôtres dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Voilà. Donc je ne vais pas revenir sur la genèse de ce pèlerinage, car on l'avait relaté précédemment dans une vidéo qu'on avait fait avec Bruno. Hein. Nous étions sur le site de Bethsaïda, le village des pêcheurs. Alors c'est le village de Pierre, André, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Et nous avions expliqué comment nous étions venus à une telle initiative. Bon, pour faire court, on ne se connaissait pas. Et la Providence a fait que nous avons échangé un certain temps par téléphone. Et voilà qu'un beau jour, nous avons plongé dans ce beau projet qui est devenu concret et qui nous a permis de vivre et de faire vivre aux pèlerins 10 jours sur les pas de Jésus, selon la tradition de l'Église et selon les descriptions que Maria Valtorta a fait dans l'œuvre. Alors, après avoir écrit l'itinéraire de ce pèlerinage, et après y avoir inséré au moins 6 lieux complètement nouveaux, hein, ou presque, alors j'ai eu une petite idée, j'ai pensé condenser certains passages de l'œuvre en correspondance avec les lieux que nous allions visiter. Alors que ce soit les lieux de la tradition décrits aussi par Maria Valtorta, ou des lieux complètement originaux. L'idée, c'était d'avoir un condensé de l'œuvre dans la poche. L'essentiel, si vous voulez, sur le chemin. Et j'y ai passé presque un an à sélectionner des textes en correspondance avec les lieux. Voilà, c'était mon idée. Parce que vous imaginez qu'emmener les 10 tomes en pèlerinage, ça aurait été un peu lourd. Hein. Et donc, ce condensé, j'ai eu la bonne idée. Enfin, je pense que ça, c'est pas tellement mon idée, mais je savais pas quel titre on allait donner à ce manuel du pèlerin. Hein. Bon, manuel du pèlerin, selon l'œuvre de Maria Valtorta, ça faisait un peu trop long. Alors, voilà que un beau matin, après ma prière du matin, ben, je me suis dit, écoute, hein, tu dialogues tous les jours avec le Seigneur, demande-lui. Puis je lui ai demandé, puis j'ai pas eu de réponse. Et puis quand je suis reparti pour aller rejoindre ma voiture et reprendre mon travail, j'ai une parole dans le cœur, Petit Jean. Et c'est ainsi que je l'ai nommé. Vous savez pourquoi? Vous avez compris. C'est qui Petit Jean? C'est Maria Valtorta. Et donc, c'est comme ça que le Seigneur l'appelle. Et en l'appelant comme ça, c'est un peu un signe de tendresse, je dirais. Hein, en hommage à l'apôtre bien-aimé, l'apôtre Jean. Alors voilà l'idée. Être sur les lieux avec un extrait de l'œuvre en poche, dans un condensé abordable pour le pèlerin, et c'est l'idée du Petit Jean. J'y ai joint pour presque chaque passage sélectionné une oraison que j'ai composée pour l'occasion. Et puis j'ai laissé certains passages, j'ai laissé la liberté aux prêtres qui accompagnent le pèlerinage de pouvoir y faire une méditation et de proposer une oraison. Alors ce petit livret nous a servi à faire des immersions sur presque tous les lieux,
en plus de la parole que nous avons partagée sur ces lieux, la parole de l'Évangile, et donc la messe qu'on avait une fois par jour. Donc une fois par jour, on avait en un lieu choisi la messe. Alors pour le coup, on avait trois prêtres pour le premier voyage, hein. dont le prêtre, le père Quisito, hein, qui est ici parmi nous. Alors j'aimerais vous partager le moment où nous sommes arrivés aux Gorges d'Arbel, dans le Val des Pigeons. Alors moi j'affectionne tout particulièrement ce lieu parce qu'il est propice au recueillement, à la détente. Et quand on y arrive, on est d'emblée en présence du Seigneur, on se sent vraiment emprunt. Et d'ailleurs les pèlerins me l'ont fait remarquer quand on est arrivé, hein. Alors juste pour vous rappeler, c'est le lieu où dans l'œuvre, Jésus, au tout début de la deuxième année de sa vie publique, emmène ses apôtres pour une petite retraite d'une semaine, non loin du lac. C'est le lieu dit de l'élection des 12. Alors, je vais vous commenter un peu les images. Ça, c'est le versant gauche. C'est le versant gauche, et donc, voilà, bon là vous avez, c'est assez complet. Hein. Donc là, on est conformément à ce qui est marqué dans l'œuvre. On arrive avec les pèlerins, alors je vais vous lire un extrait, ça c'est le versant droit. Et ça c'est le petit village arabe qui est non loin de l'embouchure du chemin qui s'appelle le Val des Pigeons, qui donne accès aux gorges. Voilà, et ça c'est le versant droit. Le versant droit est là. Hein. Alors Jésus marche en tournant maintenant le dos au lac, et c'est tout à fait dans cette direction, se dirigeant avec assurance vers une gorge qui se trouve entre les collines et qui vont du lac vers l'ouest en ligne, je dirais, presque parallèle. C'est tout à fait ça. Entre deux collines rocheuses raboteuses qui tombent à pic comme un fjord, un petit torrent qui écume descend avec fracas. Et au-dessus, c'est l'escarpement de la montagne sauvage. L'escarpement, vous le voyez là sur la droite. Est-ce qu'on peut faire un arrêt sur image, là? Voilà. Alors, nous, on est par ici. C'est-à-dire qu'on vient par là, hein, ici. Et là, on est en face. On se retrouve en face. Et là, vous avez l'escarpement. Et voici le pic qui descend comme un fjord. Donc, Marie Valtorta parle d'un chemin d'âne, ici. Quand on est de l'autre côté, on le voit mieux. Et puis, vous avez toutes les petites grottes, par ici et par là. Et ce qui nous laisse supposer, enfin, aujourd'hui, on en est certain, que c'est bien de ce côté-là qu'ils sont allés et qu'ils ont séjourné, c'est le point d'eau. Le point d'eau, il est tout en bas. Tout en bas, et donc, il se dirige vers le lac. Il se jette sur le lac. Et c'est donc le Wadi Hammam. Et quand on a analysé les images, le versant gauche, la vallée, le versant droit avec Jean-François Lavert, pour lui, il n'y avait aucun doute, il s'agissait bien du versant droit, et pas le versant gauche. Bien que les grottes soient nombreuses du côté gauche et qu'elles soient accessibles, elles le sont difficilement. Et puis elles sont surtout très éloignées du point d'eau. Donc vous imaginez... À l'époque de Jésus, on n'a pas les ressources qu'on a aujourd'hui, on n'a pas les moyens qu'on a aujourd'hui, donc on reste normalement à côté d'un point d'eau. Il y a plusieurs raisons à cela. Étancher sa soif, se laver, se rafraîchir, et pourquoi pas faire des ablutions. Hein, n'oublions pas qu'ils sont juifs, donc certainement il y avait un rituel de purification avant la prière, ça on ne le sait pas. Et vous voulez connaître la cerise sur le gâteau? C'est vrai. Alors, regardez bien l'image. « Et maintenant, allons réveiller mes autres fils, dit Jésus. Il descend parce que sa grotte est la plus élevée. Et allant d'une grotte à l'autre, il appelle par leur nom les 12 dormeurs. Et voici la grotte. »
L'accès se fait par ici et l'escarpement est là. Et tout en bas, vous avez toutes les autres grottes. Il y en a encore derrière, hein, par ici. Alors je vais vous lire aussi un échange que j'ai eu à ce propos avec Jean-François. Cher Jean-François, voici dans la vallée des Pigeons la petite montagne que j'ai pris soin de photographier et de filmer. Elle se situe sur la droite du versant lorsque l'on est sur le Val des Pigeons et qu'on se dirige vers les cornes d'Atine. Et bien sûr, en ce lieu, on y vient depuis le lac. Je t'ai aussi envoyé la photo. Je pense que la grotte, c'est celle tout au-dessus. Et toi, qu'en penses-tu ? Mon cher ami, c'est très exactement la conclusion à laquelle j'avais abouti. Voici ma fiche sur ce sujet et les images correspondent bien avec votre vidéo. Je les ai comparées attentivement en faisant plusieurs arrêts sur images de votre vidéo. Et il n'y a pas de doute, il s'agit bien du même massif. Encore merci pour ce partage. Je pense qu'à ce jour, sur le pèlerinage Val Torta, c'est la plus belle découverte, enfin, la plus belle, je dirais, le plus bel itinéraire, un des plus beaux, en tout cas. En tout cas, moi, j'y suis très sensible. Hein ? Certains des pèlerins qui étaient avec nous ont laissé quelque chose, là. J'ai des pèlerins qui étaient complètement bouleversés lorsqu'on a fait l'immersion en ce lieu. Je vais vous raconter aussi une petite anecdote, j'ai encore un peu le temps. Oui. Alors, on avait une pèlerine qui, le matin, me dit « Severino, j'ai perdu mon fils il y a 2 ans. Il avait 33 ans. Il est décédé d'une occlusion intestinale. Et ce matin, j'ai ressenti très fortement sa présence en me levant. D'ailleurs, je porte son pullover aujourd'hui pour me rendre en ce lieu, dans la vallée des Pigeons. » Aux gorges d'Arbel, et je ne sais pas, j'ai l'impression de sentir son odeur. Alors elle me témoigne ça le matin. On arrive sur le lieu, on fait donc notre petite marche. Bon, on s'était avancé un peu trop, on avait reculé, c'était toute une histoire. Et donc on fait l'immersion. Donc pendant l'immersion, des bouleversements, une profondeur, quelque chose de palpable, hein. Une présence, quelque chose de très fort, pendant que nous vivions l'immersion dans l'œuvre et que nous étions vraiment sur le lieu. C'était quelque chose de saisissant. Quand on finit l'immersion, le prêtre qui accompagnait le pèlerinage, un des prêtres, le prêtre modérateur, qui est mon curé, le père Christophe, me suggère de faire en ce lieu le tirage des parrains et marraines. Puisque c'est le lieu de l'élection des 12, faisons en ce lieu le tirage des parrains et marraines. Alors, le tirage au sort des parrains et marraines, ça consiste à quoi ? Ben, ça consiste à écrire sur un petit bout de papier le nom d'un pèlerin, de tirer au sort, et puis la personne qu'on tire au sort, on devient son parrain. Et ainsi de suite. Donc, ça permet de créer du lien, ça permet de connaître un peu mieux la personne, les personnes, d'avoir une proximité avec, et puis de partager quelque chose de fort. Cette dame a tiré la première. Son fils s'appelait Johann Cédric. Elle tire au sort le prénom de Jean Cédric. Dans notre groupe, je ne le savais pas. Enfin, je l'avais certainement entrevu, mais parce qu'on était quand même 50, moi je ne pouvais pas me souvenir de tous les prénoms tout de suite, parce que je n'ai pas la mémoire des prénoms. Mais dans notre groupe, il y avait un Jean Cédric. Et elle tire au sort ce prénom. Elle devient donc la marraine de Jean Cédric. Et Johann Cédric, c'était son fils. Quelle est la probabilité ? Moi, j'avais jamais rencontré de Jean Cédric de ma vie. Quelle est la probabilité d'avoir un Jean Cédric dans le groupe, qui plus est tiré au sort par elle, qui avait un fils qui, vous comprenez un peu ? Je crois qu'il est plus facile de gagner au loto, hein, que de tomber sur une telle perspective. En tout cas, on a été vraiment saisis et bouleversés. Voilà. Donc c'est pour vous dire, il y a des choses dont on a utilisé le savoir humain, puis les descriptions, et puis tout ce que le Seigneur nous donne de façon à entrevoir un peu ce qu'il nous révèle. Mais il y a des choses aussi qui sortent de l'ordinaire et qui sont d'ordre, je dirais, spirituel, dont on ne peut pas expliquer. Et puis c'est de l'ordre de la grâce. Et c'est beau.
On peut peut-être passer à la vidéo suivante. Une question, est-ce qu'on peut monter dans la grotte de Jésus ? Oui, mais on ne l'a pas fait. Pour des raisons de sécurité, on ne l'a pas fait, mais on peut. C'est accessible de, par derrière, en fait. Mais là, on a une vue qui est... Voilà. Peut-être, stop. Peut-être, voilà. On peut y accéder par ici. Et ici, vous avez comme un terre-plein, comme ça, et puis qui donne accès. Et la grotte est là. On la voit très bien. Hein. Quand j'y suis allé en repérage, je m'y suis approché, mais je n'y suis pas rentré. Bon, après, il faut vous dire aussi que 2000 ans d'éboulis ont fait que devant le massif, on a quand même maintenant un recouvrement. Donc on peut imaginer que quand même, bon, c'est assez fidèle, à, je dirais, à ce qu'on pouvait voir il y a 2000 ans, mais en 2000 ans, le paysage change quand même un peu. Hein. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir les cornes d'Atine ? Voilà. Donc Marie Valtorta décrit les cornes d'Atine comme une selle. Hein ? Elle le dit. Hein. Je peux vous faire la lecture. La voyante décrit les lieux. La montagne s'élève plus rapidement jusqu'à un pic. Et elle s'abaisse, puis remonte encore pour former un second pic. Donc là, on ne le voit pas, mais on l'a vu tout à l'heure. Juste avant. Est-ce que tu peux faire un arrêt encore un peu? Encore un petit peu? Ah. Ouais. Bon, le deuxième pic, il est là, hein, sur la droite. Voilà. Bon, sur la gauche, le pic est un peu grignoté parce qu'aujourd'hui, il y a une carrière derrière. Et donc, ils viennent s'approvisionner. Hein. Donc, on peut imaginer, il y a 100 ans, ce lieu, c'était vraiment encore assez fidèle à l'époque de Jésus. Là, c'est un petit peu moins sur la gauche parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une carrière maintenant. Alors... La voyante décrit les lieux. La montagne s'élève plus rapidement jusqu'à un pic et elle s'abaisse puis remonte encore pour former un second pic semblable au premier. L'ensemble des deux formant une sorte de selle. Elle ajoute encore une colline solitaire entre deux vallées. Le sommet de la colline est en forme de joug ou plutôt en forme de bosse de chameau. De sorte qu'à peu près... Qu'à peu de mètres de la cime, elle offre un amphithéâtre naturel où la voix résonne avec netteté. Alors, un amphithéâtre naturel où la voix résonne avec netteté. Vous allez voir l'amphithéâtre naturel. Là, on est en plein dedans. Hein. On est sur le versant droit de l'amphithéâtre. Et tout ça, c'est l'amphithéâtre. Là, vous allez le voir très bien maintenant. Voilà. Ça, c'est l'autre corne qui est grignotée sur la droite. Vous la voyez, hein ? Voilà l'amphithéâtre naturel. Donc, nous, on est restés en bas. Quelques pèlerins y sont montés. Et j'ai un pèlerin qui, lui, s'est placé tout au-dessus. Et qui nous a envoyé un signal, enfin qui nous a parlé depuis l'emplacement où il était. Et nous qui étions tout en bas, ben on l'a parfaitement entendu. Et il n'a pas eu besoin de crier. Hein. Vraiment, c'était impressionnant, très impressionnant. Lui-même l'a témoigné, c'est très impressionnant. Donc on peut imaginer là 5000 personnes. Placé dans cet amphithéâtre, le Seigneur placé en un lieu stratégique de cet amphithéâtre pour communiquer avec les 5000 personnes. Et en plus, vu le contexte, il n'a même pas eu besoin d'hausser le ton. On peut imaginer qu'il était, voilà, il a fait un discours spontané, naturel, et puis on l'entendait, puisque c'est un lieu qui est prédisposé pour cela. Et en plus, on a une superbe vue sur... voilà, ça c'est depuis le car. Vous voyez, ça fait comme une selle. Il y a une histoire aussi, hein, à propos des cornes d'Atine. Et vous pouvez la retrouver dans le dictionnaire géographique.
Il y a une histoire avec les Maccabées, donc à peu près 200 ans avant Jésus-Christ, je crois. Est-ce qu'on peut passer au site suivant ? Capharnaüm ? Voilà Capharnaüm. Ce sont les ruines de Capharnaüm. Et là, vous avez une église maintenant octogonale qui est construite au-dessus de la maison de pierre. Alors, Maria Valtorta donne une description très précise de Capharnaüm et de la maison de pierre aux abords du lac de Tibériade. Elle en fait déjà, elle en donne déjà le renseignement dans les années 40, au moment où elle reçoit la révélation. Cette maison, elle a été trouvée dans les années 60, plus précisément en 67 ou 68, par les franciscains. Ils sont aujourd'hui propriétaires du lieu. Donc 20 ans après les premières descriptions que Maria Valtorta en a faites par rapport aux visions qu'elle a eues du Seigneur. Et là, vous avez la maison de pierre. Alors, c'est une maison qui est très vaste. Hein. Les experts y ont trouvé des hameçons, des choses comme ça, des filets de pêche, des signes qui montrent bien qu'elle est fréquentée tout de suite après, au IIe siècle, déjà par les pèlerins. Il y a déjà des graffitis, des petites choses comme ça, et puis donc on a pu authentifier que c'est vraiment déjà un lieu, c'est un lieu qui est fréquenté dès les origines. On en a la preuve aujourd'hui. Voilà, et là vous avez donc toutes les ruines de Capharnaüm. C'est un grand site, très très grand. Et vous avez une vue sur le lac qui est extraordinaire. On a eu la messe hein, sur ce site, il me semble. Est-ce qu'on peut aller aussi sur le puits du figuier, peut-être ? Alors, le puits du figuier, c'est un lieu que j'ai donc introduit dans le pèlerinage qui n'était pas prévu et qu'on a introduit dans le programme un mois et demi avant. C'est une petite découverte que Jean-François a fait à la dernière minute et puis il m'en a fait part. Il m'a dit, tu sais, tu ne seras pas très loin de ce beau lieu. Il faudrait peut-être le chercher et si vous le trouvez, il faut y aller parce que c'est extraordinaire. En fait, c'est le point de chute des apôtres. Lorsqu'ils sont sur le lac et puis qu'ils pérégrinent autour du lac pour se rendre à Bethsaida, Capharnaüm et ainsi de suite, ben, si vous voulez, c'est un peu le point de chute. Puis ils se réunissaient là, et puis ils laissaient leur barque. Et puis à plusieurs reprises, on a Pierre qui, dans l'œuvre, dit « On se rejoint au puits du figuier ». Voilà. Donc il y a toute une pléiade de détails qui laissent à penser que c'est bien ce lieu-là. Donc le puits du figuier. Vous allez voir le puits. Hein. Alors on a une source naturelle qui coule et qui se déverse dans le lac. On a aussi en ce lieu des communautés juives qui viennent faire leurs ablutions. Quand on y a été, on a rencontré des juifs orthodoxes, des religieux venir faire leurs ablutions. Voilà. Donc conformément aux recherches et aux descriptions que Jean-François Lavert en fait dans son dictionnaire. On n'est pas très loin du site de la multiplication des pains, qui n'est pas reconnu selon l'œuvre de Maria Valtorta. Selon la tradition, il s'agit de Tagba, mais selon Maria Valtorta, c'est Tariché. Donc c'est pas vraiment le même endroit. Mais la tradition, je dirais, fait référence à Tabga. Donc là, le puits du figuier. C'est très bien filmé, bravo. Bravo à Yann, toute l'équipe. Alors c'est un lieu qui a beaucoup plu aux pèlerins. Plus personne n'avait envie de retourner dans le car. Quand on était là, on était au paradis, pour ainsi dire. On a eu un coucher de soleil extraordinaire, vous vous souvenez? Voilà. Certains ont vu le soleil dans... Moi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas eu cette grâce. Mais on m'a dit qu'il y avait une luminosité particulière. Tout à fait.
Voilà. Au loin, vous voyez les camps d'Atine. Tout au loin, là-bas, à gauche. Hein. Gauche du soleil. Et le mont Arbel. Ah là, on est à l'état sauvage. Tout à fait. Il y avait aussi le village de Bethsaïda. Je ne sais pas si on a quelques images de Bethsaïda, peut-être. Je ne les ai pas sélectionnées. Ouais. Donc, Bethsaïda, c'est cette ville qui a été maudite par le Seigneur, tout comme Chorozaïn et Capharnaüm. Toutes trois n'existent plus aujourd'hui. C'est impressionnant. Ce que Jésus a dit à propos de ces villes s'est produit. Alors j'ai une petite anecdote à ce sujet. Ça c'est le guide hein, qui bien sûr me témoigne. Il y a Bethsaïda. Ah, formidable. Bon, aujourd'hui, Bethsaïda, c'est un site qu'on peut visiter, hein, qui est ouvert au grand public. C'est pas très connu encore. Tous les pèlerins n'y acceptent, enfin, ne prévoient pas d'aller sur ce lieu. Mais il est accessible. Donc vous voyez, il est complètement en ruine. Oui. Alors Jésus, dans l'œuvre de Maria Valtorta, donne précisément la description de ce lieu, en disant qu'on ne doit pas le rechercher tout près du lac, mais un peu plus au nord. Parce que des centaines d'années d'alluvions ont fait que ben, aujourd'hui, le village se retrouve un peu plus en retrait. Et c'est tout à fait le cas. On est à peu près à, je dirais, 2,5 km, 3 km du lac. Mais vraiment, on voit le lac, on sent qu'il y a eu un bouleversement à ce niveau-là. Certainement un tremblement de terre aussi. D'ailleurs, il y a un tremblement de terre hein, qui est recensé dans la région et qui expliquerait pourquoi il est un peu éloigné aujourd'hui. C'est un très grand village. Hein. Je crois que ça doit être tout aussi grand que Capharnaüm, je pense. Voilà, Bethsaïda. Alors là aussi, c'est un lieu qui est en fin d'après-midi ombragé. On peut très facilement se recueillir, c'est propice au recueillement, la méditation. C'est un lieu vraiment très paisible. On a vécu aussi une immersion là, sur ce lieu. Là, on est dans une demeure, une ancienne demeure. Oui, bon. Le Seigneur, enfin, dans l'Évangile, il est dit qu'il y a trois marches pour accéder, et que le Seigneur se tient sur la première ou la deuxième, je ne sais plus. On a essayé de chercher hein, cette maison où il y avait effectivement les trois marches. Bon, on en a trouvé une. Je ne sais pas si c'est la maison de Philippe, mais on a fait un petit jeu, et donc ça a été assez sympa de le faire, et de pouvoir nous recueillir sur ce lieu et vivre l'immersion par rapport à la description de l'œuvre. Voilà. Alors, j'aimerais juste vous rappeler des points très importants dans les révélations que Jésus a faites à Maria Valtorta. Il lui précise bien les raisons de cette œuvre. Nous aider à mieux comprendre ce que furent sa vie, ses paroles, ses enseignements lors de son ministère public. Et bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, confirmer l'Évangile, parole de vie et de plénitude en une époque qui le défigure et qui l'ignore. Et je pense que c'est en ce sens qu'il faut considérer l'œuvre colossale de Maria Valtorta. L'œuvre est complémentaire et bienfaisante, édifiante pour le croyant qui vit l'Évangile au quotidien, cherchant à se réajuster constamment à la parole de Dieu qui est vivante. Elle permet d'élargir l'éventail des mystères du Seigneur pour mieux les sonder. Elle parle à notre temps si éloigné des préceptes évangéliques. Alors j'aimerais juste vous faire une citation. Alors cette citation, elle vient du révérend Peter Miano. Les touristes passent en divers lieux,
mais les pèlerins laissent les lieux passer à travers eux, permettant un changement de leur cœur. Et le pèlerinage sur les pas du Christ, selon la tradition et selon l'œuvre de Maribel Torta, c'est tout à fait cela. Voilà. Donc, je vous remercie. Toutes et tous, je vous souhaite de vivre un jour prochain ce que nous avons vécu. Vraiment, ça a été... On ne peut pas revenir d'un tel pèlerinage indifférent. C'est pas possible. Que l'on soit croyant ou pas, il y a forcément une transformation, quelque chose de l'ordre de la grâce qu'on ne peut pas toujours expliquer et qui transforme les personnes qui vivent une telle aventure, une telle expérience en Terre Sainte. Voilà. Alors, bonne montée vers Pâques. Merci à toutes et à tous. Merci Severino. Merci à tout le monde. Le prochain pèlerinage aura lieu... Alors, on sera sur le deuxième pèlerinage qui aura plus ou moins... qui va conserver un peu ce qu'on a fait la première fois. On va passer un petit peu plus de temps sur les sites choisis selon l'œuvre de Maribel Torta parce qu'on a remarqué que les gens avaient du mal à décoller. Donc, on s'est arrangé pour... voilà. Pour passer un petit peu plus de temps. Et donc, les dates... alors, ce pèlerinage aura lieu du 27 octobre au 5 novembre 2019. Départ de Paris. Pour les détails de ce pèlerinage, vous joignez l'association Pax Tour sur Internet. C'est Pax Tour qui organise, c'est notre partenaire, qui vous donnera tous les détails d'inscription. Vous pouvez leur téléphoner ou vous inscrire directement sur le site Internet. Donc Pax Tour, pour ceux qui le connaissent, qui est tenu par, fondé par Jacques Saurin, un fils de Pierre Saurin de l'Étoile Notre-Dame, qui connaît bien les pèlerinages et tout ce qui s'ensuit. Les images que vous avez vues sont dans cette vidéo, hein, Pèlerinage en Terre Sainte sur les pas de Jésus d'après Maribel Torta, donc réalisé par Yann Le Goff, qui est ici parmi nous, là, derrière la caméra, et qui a couru avec les uns et les autres, et moi-même, on a beaucoup couru dans les montagnes pour arriver à faire tous ces plans-là, donc on est content de vous les offrir. Vous pouvez, à travers ce DVD, montrer aux gens, déjà pour les pèlerins, retrouver des sites, en parler autour de vous, et insister sur le fait que Maria, une fois de plus, dans son lit, sans aucune information, eh bien, décrit bien les sites tels qu'ils sont, pour ceux qu'on a pu retrouver. Alors, évidemment, en Terre Sainte, de nombreux sites sont recouverts par le béton actuellement. Il était très difficile. On peut vraiment remercier, effectivement, Jean-François Lavert, mais aussi Severino, parce que ça a été beaucoup de travail, une année et demie de travail, pour retrouver les sites qui étaient encore dans l'état, comme les grottes d'Arbella. Oui, merci Severino, merci. Alors, les grottes d'Arbella, vous l'avez compris, c'est la première retraite que Jésus invente, une retraite spirituelle, avec les apôtres, seuls dans les grottes, Jésus dans la grotte supérieure, comme on vient de nous le dire, les apôtres, et ils descendent, distribuer la nourriture, donner des temps de prière, et Jésus leur dit au début, ils partent un samedi, un sabbat, et reviennent un vendredi, donc ça fait une semaine, ils restent 7 jours à l'intérieur, et Jésus leur dit « Je pourrais vous parler 100 ans, mais je n'arriverai pas à vous transformer comme je voudrais. » Dans l'œuvre de Valtorta, hein. Il leur dit « C'est pour ça que je vais vous donner le moyen ultime pour votre transformation, pour votre sanctification, à savoir la prière. » Donc, le silence et la prière. Et c'est sur ces paroles que les apôtres s'enferment dans ces grottes et font cette première retraite spirituelle. Et tout à l'heure, le Père Quisito, après la pause, eh bien, nous parlera des retraites maintenant spirituelles de Saint Ignace. Si Jésus a montré l'exemple à travers cette toute première retraite dans l'histoire de l'Église, eh bien, depuis, il y en a eu beaucoup, nous en avons vécu, nous en vivrons encore pour notre sanctification, et nous pourrons faire un parallèle maintenant entre Saint Ignace et Maria Valtorta.